Tous ceux qui sont déjà venus ici le redoutent. Les autres ont appris à s'en méfier à force d'écouter les survivants en parler. Saint-Léger de Balzon, son circuit de 7 km, ses méandres au milieu des pins, font peur et envie tout à la fois. Ils sont 550 cette année à l'avoir affronté, un record. Parmi eux, une quarantaine de jeunes pilotes au guidon de leur 85. Les espoirs sont, comme d'habitude, les premiers en lice, dimanche matin. Enzo Levrault, le favori, et tous les autres s'élancent à 9h30 précise. Au bout de la ligne droite, c'est Kylian Prévost sur sa Husqvarna qui se montre le plus rapide. Mais rapidement, une belle bataille s'installe en tête de course. Enzo Levrault, vainqueur des deux premières épreuves de la saison, et TJ Chrisman, son fidèle adversaire, sont roue dans roue. Un peu plus loin derrière, Arnaud Zoldos roule à un bon rythme, mais se laisse distancer par les deux de devant. Chez les filles, grosse déception pour Angèle Boulet, moteur de sa KTM en rade, au bout de la première ligne droite. Du coup, c'est Flavie Lobédé, sur Husqvarna, qui en profitera pour finir première féminine. À la mi-course, Chrisman et Levrault sont toujours en bagarre. Les deux pilotes se retrouvent même côte à côte lors de leur passage dans les stands. Et c'est le second qui repart devant, mais rien n'est joué. La fin de course sera finalement à l'avantage du pensionnaire du motoclub des Estés, qui creuse petit à petit l'écart. Chrisman est même rattrapé par Arnaud Zoldos dans le dernier tour. Fidèle à sa tactique, le pilote KTM a roulé avec un réservoir qui lui permet de ne pas ravitailler. Troisième victoire en trois courses donc pour Levrault, qui occupe la tête du classement général. Je suis content. J'ai su montrer que je pouvais être largement devant en faisant un bon départ en plus. C'est tout le contraire de Loon. Mais bon, je suis vraiment content de moi. Oui, j'ai fait une très belle fin de course, vu que j'ai doublé TJ qui était second dans le dernier tour. Voilà, c'est ce que j'espérais, mais pendant la match, j'y croyais pas trop. Mais voilà, comme quoi je peux le faire même en fin de course. J'ai fait des chutes. Après, on est en même temps au ravitaillement avec Enzo. Et j'ai fait des erreurs. J'ai continué ma course, j'ai fait comme j'ai fait aux entraînements. Je pensais à ce que me disait mon coach et tout aux entraînements. Et maintenant, j'ai fait première et je suis assez contente. 13h dimanche, ils sont tous là, prêts et déterminés. 312 pilotes rassemblés dans le parc fermé avant la course moto. Ultime moment de concentration, tous ensemble et tout seul à la fois. Pour eux, la course a déjà commencé. Jamais l'Endurance des Lagunes n'a rassemblé autant de pilotes. Jamais l'épreuve n'a réuni un plateau aussi élevé. 10 candidats pour la victoire, 30 qui visent le top 10 et 200 qui chercheront d'abord à finir. Trop tard pour reculer, la grille de départ est là, qui les attend. Les YAM vont-elles revenir dans le coup? Fura, vainqueur l'an dernier, peut-il faire le doublé? Vente de sang des Kawa, garder la plaque rouge? Et puis bien sûr, il y a ceux qui vont découvrir l'enfer de Saint-Léger, Yentl Martens, Jeffrey De Wulf, et bien sûr Nathan Watson, intouchable depuis le début de saison. Le all-shot est signé Damon Martens, Tournesi, Brossier, Chapelière, Auquier sont dans le coup, Watson a choisi l'extérieur. Le champion de France en titre va rester le plus rapide pendant la première demi-heure. Il sera le seul à boucler un tour en moins de 8 minutes. Avant qu'un autre Martens, Yentl, ne prenne les commandes. Les deux hommes vont rester proches pendant quelques tours. Ils creusent l'écart sur un groupe de poursuivants où l'on retrouve Richard Fura, Victor Brossier et Camille Chapelière. Stéphane Wattel et Maxime Sault sont également dans le top 10. Sur sa KTM, Jeffrey De Wulf fait bien partie lui aussi. Et quand il s'arrête une première fois au stand, il pointe à moins d'une minute. Mais son arrêt se prolonge, boîtier électronique HS. Il reste de longues minutes impuissant. Il repartira, mais dit adieu au podium.
Axel Van de Sande, quant à lui, est distancé. L'officiel Kawa n'est pas vraiment à l'aise à Saint-Léger, mais comme l'an dernier, il s'accroche. Il décrochera la 8e place. Fura s'est arrêté tôt pour régler un problème de lunettes. Chapelière a suivi, tout comme Yentl Martens, qui a pris la tête de la course à l'entame du 4e tour. Le pilote Husqvarna creuse peu à peu l'écart sur Damon Martens, le dernier des favoris à ravitailler. À la mi-course, Nathan Watson pointe à plus de 3 minutes des leaders. L'Anglais, moins souverain qu'à Berkelund, produit son effort dans la dernière heure pour remonter jusqu'à la 4e place. À la bagarre avec Chapelière, qui coince un peu. Juste derrière, on retrouve un Milko Potisek enfin dans le coup. Après deux abandons, le nordiste va signer son meilleur résultat en terminant 4e. Mais l'homme fort de cette fin de course est bien Richard Fura. L'officiel Honda est remonté en 2e position à moins d'une minute de Yentl Martens. Trop tard a priori pour jouer la victoire. Le Belge, impérial, boucle son 15e tour en tête et se dirige vers son premier succès dans le sable. À 20 minutes du terme, il passe sous l'arche d'arrivée avec Axel Van de Sande à qui il a pris un tour. Mais tout à coup, le voici qui hésite, ralentit et remonte la piste en sens inverse pour prendre la direction des stands et faire son 3e et dernier passage. Il le fait prudemment, mais la manœuvre est interdite. Une erreur qui va lui coûter cher, drapeau noir synonyme de disqualification. J'ai fait une grosse erreur car j'ai dû faire un demi-tour sur la piste parce que j'étais allé trop loin et que je ne pouvais plus rentrer dans les stands. Ça fait mal, je suis disqualifié à cause de ça, mais bon, à part ça, tout a bien été, le physique, mon pilotage, la moto. Je vais aller à Osgore dans un bon état d'esprit. Suspense total donc à l'arrivée. Yentl Martens s'est arrêté quelques mètres avant le drapeau à damier. Richard Fura surgit pour passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Suivront Damon Martens et Nathan Watson. Le pilote KTM sera finalement déclassé pour un décibel de trop lors du contrôle sonomètre. Chapelière remonte d'une place. En 30 minutes et deux rebondissements, le podium aura totalement été chamboulé. Je m'y attendais vraiment pas parce que j'avais 35 secondes de retard en passant devant les panneautages et je l'ai vu à travers les bois, je l'ai vu devant moi et j'ai dit 35 secondes en un tour, faudrait vraiment être très très vite et ça sert à rien de prendre des risques. Et quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je l'ai pas vu. Donc j'ai demandé si c'était moi, effectivement c'est moi qui a gagné, donc encore plus content et comme quoi faut jamais rien lâcher. J'ai fait un bon début de course, après Yentl était plus rapide et sur les 40 dernières minutes, Richard était plus rapide. Après je suis super content de moi, ça fait du bien de remonter sur le podium. Plus les courses passent, plus je me rapproche de la première place. Je suis de retour dans le top 5, au pied du podium. Maintenant, on arrive à Osgore la semaine prochaine. Forcément, c'est une course que j'apprécie. Et puis, on va arriver sur les courses de plage, donc j'ai vraiment hâte. Au classement général du championnat, Fura s'empare de la plaque rouge avec 18 points d'avance sur Axel Van de Sande. Mais Osgore Cap-Breton arrive déjà dimanche et tout pourrait bien bouger à nouveau dans un championnat de France des sables 24MX qui n'a jamais été aussi indécis.